Et donc, je donne, pour commencer, la parole à Hervé Pasqua. Merci beaucoup, cher Guilhem, et toutes mes félicitations pour ce travail de préparation, ce colloque qui nous donne l'occasion de nous retrouver, de retrouver mes amis aussi, et mes amis par-delà aussi l'écran, puisque je retrouvais parmi vous ceux qui suivent mes cours sur YouTube, et je suis très heureux de les retrouver. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un thème qui a attiré toute mon attention en lisant l'œuvre de André de Muralt, qui contribue à mettre en relief les sources médiévales de la philosophie moderne et contemporaine à la lumière du rapport entre l'un et l'être. Dans son ouvrage « Néoplatonisme et aristotélisme dans la métaphysique médiévale », il met l'accent précisément sur la tension entre les métaphysiques qui se départagent en métaphysique de l'un et en métaphysique de l'être. Sont-elles conciliables, fusionnent-elles, s'opposent-elles? De la réponse à ces questions dépend l'interprétation de l'histoire de la pensée que tente André de Muralt. L'interrogation originelle qui révèle l'intelligence à elle-même surgit du contact avec un monde en devenir et en perpétuel changement. Elle fut celle des présocratiques, et dans la naissance de la tragédie, Nietzsche souligne que ce que ces derniers recherchaient en vérité est l'unité. Heidegger reprendra cette interprétation. Héraclite se présente moins à ses yeux comme le philosophe du devenir et du mobilisme universel que le philosophe pour qui tout ce qui est, la physis, s'unifie dans le feu, cet élément unitaire, source unique de l'intelligibilité en raison et raison pour laquelle il reçoit le nom de logos. Tout se rallume au moment où tout allait s'éteindre, car rien ne peut sortir de rien. Ex nihilum nihil fit. C'est un axiome universel. La multiplicité mouvante et changeante de l'univers n'est donc pas incompatible avec l'unité vivante, le feu qui ne se consume jamais. Parménide se présente également comme un philosophe de l'un. Et c'est bien de Parménide que la pensée, que les études de André de Muralt sur le néoplatonisme et l'aristotélisme au Moyen-Âge part. C'est un philosophe de l'un, mais il conçoit l'unité comme étant l'unité de l'être, Einheit, qui est opposé au changement, car en changeant, l'être deviendrait un autre, ce que ne devient pas le feu. Pour l'être, devenir un autre, c'est cesser d'être, c'est-à-dire être un non-être. S'il passait en autre chose, cite André de Muralt, cite Parménide, s'il passait en autre chose, il passerait en quelque chose qui ne saurait pas être. L'être est parce qu'il est un, c'est-à-dire indivisible. L'unité est ici, pourrait-on dire, sa condition de possibilité. Et nous verrons que c'est justement ce qui est en question. Nous savons en quels termes inoubliables et avec quelle profondeur le poème de Parménide exprime l'unité comme étant l'unité de ce qui ne peut se diviser. C'est la définition même de l'unité en tant qu'indivisibilité, ni changer, ni naître ou mourir. André de Muralt nous en offre une traduction très appréciable au début de son étude sur le néoplatonisme et l'aristotélisme au Moyen-Âge. Et il commente comme suit sa traduction, donc « ce qui est, est ». « Ce qui est, n'est pas ce qui n'est pas ». Il n'est pas de moyen terme entre ce qui est et ce qui n'est pas. Fin de citation. Retenons ici la double négation, la negatio negationis dont Maître Eckhart se fera grand usage et à partir de laquelle Nicolas de Cuse fondera sa conception de la coincidentia oppositorum dans l'un
où tout est un. La pensée de ces deux auteurs se présente comme des métaphysiques radicales de l'un auquel André de Muralt attache une grande importance. Parménide a posé à l'intelligence humaine la question de savoir comment, si tout est, tout peut être un. Car si tout est un, rien n'est divisible, en raison de la définition même de l'unité comme indivisibilité. Et par conséquent, la seule façon de justifier la thèse parménidienne est de nier le monde multiple et mouvant, comme fit Zénon d'Élée pour soutenir son maître. Être ou ne pas être, telle n'est pas la question. Il n'est pas question en effet de l'alternative hamlétique entre l'être et le non-être, mais de l'alternative entre l'être et l'un. L'être en effet est nécessairement, il ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire être autre que soi. Telle est la leçon du poème. Il n'est pas un non-non-être. Il n'a pas à s'opposer à ce qui le nie pour être. Il n'a pas à être une négation négationniste, comme le feu d'Héraclite qui brûle toujours parce qu'il est un non-non-feu. Parménide, à vrai dire, entretient une relative confusion entre l'un et l'être. Platon devra se résoudre à commettre son parricide pour faire place au multiple qu'étudie en particulier André de Muralt dans Le Sophiste. Et Aristote affirmera que l'être n'est pas parce qu'il est un. Il est un parce qu'il est indivisible et par conséquent immuable, éternel, parfait, ne manquant de rien en tant qu'être. L'être sans l'un serait pure multiplicité, chaotique et inintelligible. L'un sans l'être serait pure vacuité. L'oubli de l'être contraindra la philosophie à s'enfermer dans le langage, à nier tout hors texte, comme dit Jacques Derrida, c'est-à-dire à se couper du réel indicible, les mots ne renvoyant plus aux choses. Si tout est un, rien en effet est, car l'être, en s'ajoutant à l'un, détruirait son unité pure et nue. La seule possibilité de parler de l'être, dès lors, est faire de l'être un mot en le réduisant au rôle exclusif de copule ou de foncteur dans une proposition. Mais l'être se laisse-t-il dire et réduire à un mot? Telle est la question qu'André de Muralt soulève dans son œuvre « Comment dire l'être ?» en débattant avec l'interprétation de Pierre Aubanc, qui soutient que l'être est l'objet inaccessible de la science recherchée en vain par Aristote. La réponse à cette question se trouve dans le nécessaire dépassement de la philosophie néoplatonicienne de l'un en direction d'une métaphysique de l'être. Tel est le dessein de l'aristotélisme médiéval qui aboutira à travers Avicenne et Averroès à la métaphysique de l'essai ipsum de saint Thomas d'Aquin. L'aristotélisme oppose sa métaphysique de l'être à la métaphysique de l'un. Dans le Parménide de Platon, Platon avait remis profondément en question sa théorie de la participation en émettant dans la deuxième partie du dialogue toutes les hypothèses concernant le rapport entre l'un et l'être. La première hypothèse, mère de toutes les autres, conclut « si l'un est, l'un n'est plus un, donc l'un n'est pas ». Dans le Sophiste, Platon se voit obligé d'affirmer contre Parménide que le non-être est. Ainsi, l'un n'est pas et le non-être est. André de Muralt cite un passage fort à propos de Pic de la Mirandole qui tire de l'œuvre de ce dernier « L'être et l'un » pour illustrer comment se pose la question du rapport entre l'être et l'un à travers aussi la Renaissance et la modernité. Je ne cite pas ici Pic de la Mirandole pour faire bref. Cette question nous oblige à revenir au point de départ.
Dans le fragment 10 de son poème, Parménide affirme que le même, en effet, est intelligé et être. Noein kai einai to auto. Cela signifie qu'il est nécessaire de dire et de penser que ce qui est, est. L'être n'est pas au-delà de la pensée, et la pensée est toujours pensée de ce qui est. Je cite, « Rien n'est ni ne sera autre que ce qui est ». Par conséquent, l'être est lui-même l'objet de sa propre intellection. Je cite, « Le même est l'intelligé, et ce à cause de quoi est l'intellection ». L'intellection est donc intellection de l'être comme intellection de soi. Toute distinction entre sujet et objet disparaît. L'être n'a pas à être dit ou intelligé par un autre que lui-même. Il est aletheia, révélation de soi à soi par soi. Il se dit car il ne peut dire l'un, retiré dans le silence de son non-être. On retrouve cette idée chez Heidegger, pour lequel l'être se révèle à l'homme en se disant dans la langue des poètes qui sont le lieu de la révélation de l'aletheia, de la vérité, du verbe, c'est-à-dire du dit, de l'être qui se dit dans l'homme, appelé à sortir de lui-même dans l'acte d'exister, de sortir là dehors, et pourrait-on dire, en citant Nietzsche, disparaître en annonciateur. Cette pensée est conforme à la tradition plotinienne selon laquelle l'être prend vie en s'intelligeant en tant qu'intellect, car intelliger pour l'intellect, c'est être. L'intellect, donc, s'identifie à l'être, advient en tant qu'être, en tant qu'intelligé, en tant que s'intelliger. Il advient à lui-même hors de l'un, qui demeure inintelligible, au-delà de l'intellect. Il résulte donc d'une émanation, d'une sortie de l'un, d'une existence, si l'on veut, où tout est obligatoirement un sans l'être. Le poète Dichter et le penseur Tanker se rejoignent dans le lieu unique où l'être peut se dire, le Dasein. Il analyse très bien cela, André de Muralt, dans ses cours. André de Muralt perçoit dans la lettre sur l'humanisme l'accent de Maître Eckhart et l'écho des concepts de Gelassenheit, d'abandon, et d'Abgescheidenheit, de détachement. L'être doit s'effacer dans l'un où tout est un. Il est trop pour la pureté de l'unité. En s'ajoutant à lui, à l'un, il en détruit l'unité pure et nue. Dans la perspective néoplatonicienne, en effet, l'un n'est pas. Il est au-delà de l'être, ou en termes platoniciens, epikeina tes ousias. L'aristotélisme s'oppose à cette doctrine. La question est pour lui de savoir ce qui est en tant qu'il est. Tel est le sens que le philosophe de Genève donne à la proposition d'Aristote, l'étant en tant qu'étant, to on et on. Son analyse fait appel à la doctrine qu'il développe sur les transcendentaux en se référant au texte fameux du De Veritate de saint Thomas, où ce dernier articule les cinq transcendentaux, je cite, omne ens est ut ens unum res ad quid verum bonum. Ce ne sont pas des prédicats attribués à l'étant, ce sont des propriétés de l'étant qui est en tant qu'étant un vrai bon parce qu'il l'est. Il n'est pas parce qu'il est un vrai bon parfait. Les transcendentaux ne jouent donc aucun rôle de principe, de cause ou de conceptualisation de ce qui est en tant qu'il est. Ils ne s'ajoutent pas à l'étant comme le prédicat à un sujet. Ils sont propres à l'étant. Ce sont des passions, des pâtés, propres à ce qui est en tant qu'il est. Il s'ensuit que l'être de ce qui est l'un, le vrai, le bien, sont de même nature. Aristote ne mentionne pas de la chose, la pragma, la res en latin, et le quelque chose, le dit, la liquide.
La doctrine des transcendentaux sera complétée par Avicenne et saint Thomas. En tant qu'il est, tout étant est un, unum, c'est-à-dire indivisible, c'est une chose, c'est-à-dire qui est définissable, c'est une chose qui n'en est pas une autre, un aliquid, un aliud quid, autre chose, c'est un, il est vrai pour l'intellect, il est bon pour la volonté. L'étant ne peut pas être autrement. Il n'y a rien au-delà de l'être. Parce que ce sont des propriétés ou des passions de l'étant, les transcendentaux ne peuvent contribuer à définir ce qui est en tant qu'il est. Ils ne sont pas l'essence de l'être. Prendre pour fondement l'un d'eux en le privilégiant par rapport aux autres, comme expression de la quidité de l'être, dit André de Murat, ce serait fonder une métaphysique univoque. Une telle métaphysique se bouche l'accès à la métaphysique de l'être telle que l'aristotélisme de saint Thomas va la développer en maintenant l'unité analogique, non univoque, de ce qui est en tant qu'il est. L'être de l'étant n'est pas parce qu'il est un vrai et bon. Il est un vrai et bon, encore une fois, parce qu'il l'est. Couper les transcendentaux de l'être, de ce qui est, conduit inévitablement à, je cite, « une multiplicité de métaphysiques univoques qui prennent toutes leurs fondements de l'un des transcendentaux, en le privilégiant par rapport aux autres comme l'expression formelle de la quidité de l'être. » Fin de citation. Cela a donné lieu à autant de métaphysiques qu'il y a de transcendentaux, et en particulier à une métaphysique de l'un pour laquelle tout est un, voire l'un absolu, telle la métaphysique néoplatonicienne issue de Platon. Elle jouera un rôle déterminant dans l'histoire de la pensée. André de Murat souligne qu'elle culminera dans l'épure, comme il dit, qu'en donnera au XVe siècle Nicolas de Cuse, et s'imposera jusque chez Hegel, Heidegger et la pensée post-heideggerienne sous des formes diverses. L'un des grands mérites d'André de Murat est d'avoir souligné qu'il y a autant de métaphysiques que de transcendentaux qui privilégient telle ou telle notion transcendantale au détriment de la notion de ce qui est en tant qu'il est. Il ouvre ainsi une lecture féconde de l'histoire de la philosophie, dont il donne quelques témoignages. De même qu'il y eut une métaphysique de l'un, il y eut des métaphysiques du transcendantal res, une métaphysique du transcendantal aliquid, une autre du transcendantal verum et du quasi-transcendantal possibile. Ce sont ces métaphysiques des transcendentaux qu'André de Murat analyse et que je ne peux ici reproduire. Il montre, ce faisant, que les métaphysiques qui privilégient telle ou telle notion transcendantale au détriment de la notion de ce qui est en tant qu'il est, n'évitent pas l'écueil de l'univocité. Au terme de ces analyses de très grand intérêt, André de Murat montre, conformément à sa méthode, qu'une même structure de pensée régit les métaphysiques qui se fondent sur les transcendentaux. L'ens, l'étant, est toujours conçu univoquement et les transcendentaux conçus comme une détermination particulière affectant univoquement, qualitativement, comme il dit, la notion d'ens, d'étant. Une conclusion plus radicale s'ensuit, à savoir que ce qui est en tant qu'il est, la notion d'être est essentiellement et précisément une, et que le sur-transcendant de toutes les métaphysiques qui viennent d'être reconstituées est le transcendantal unum. Ainsi formulée, cette conclusion montre la voie qui conduit à une métaphysique univoque de l'être au sens de détermination universelle de tout ce qui est en tant qu'un. Ce qui est en tant qu'il est essentiellement un. Engagée dans cette direction, la pensée ira jusqu'au bout et finira par conclure que tout ce qui est l'un absolument. Tout est un dans l'un. Tel est le cas du néoplatonisme, celui de Plotin comme celui de Nicolas de Cuse. Les métaphysiques qui privilégient
les transcendentaux, au détriment de leur convertibilité avec l'être, plongent ces derniers dans le vide, en leur ôtant tout fondement. Or, ne pouvant être rien, c'est-à-dire sans l'être, les transcendentaux revêtent nécessairement le statut de quelque chose, mais de quelque chose d'objectif produit par l'entendement et par conséquent fondé sur le sujet transcendantal, au risque de se réduire à une illusion transcendantale. Donc, la présentation des diverses métaphysiques des transcendentaux conduit à la conclusion qu'il n'y a de métaphysique que de l'être ou de l'un. L'exemple emblématique d'une doctrine qui situe le transcendantal au-delà de l'être est la métaphysique plotinienne de l'un qu'André de Muralt analyse à partir d'un célèbre passage des Énéades 5.2, où Plotin décrit le mouvement hypostatique par lequel l'un, je cite, « coule par-dessus bord ». Purement un, il déborde ou bouillonne d'unité, si l'on peut dire. Tout procède de lui seul. Ex uno, non fit nisi unum. De l'un ne peut sortir que l'un. Nulle inertie, cependant en lui, ni repos. Il est puissance active, acte puissant, dont le ressort est la résistance à la menace de devenir un autre. En vérité, l'un est toute faiblesse, car sans cesse menacé de perdre son unité, en s'affirmant, il se nierait. C'est pourquoi Plotin conçoit l'émanation des hypostases comme une sortie de l'un qui conserve sa pureté en restant en retrait. André de Muralt insiste sur cet un qui est tout, rempli de lui-même, au point de ne pouvoir l'être davantage ni mieux, puisqu'il est parfaitement un. Ce surplein d'unité, si l'on veut, ou ce trop-plein, ne peut que s'épancher, mais sans sortir de soi, puisqu'il n'a besoin de rien d'autre que de soi. Coulant d'abondance, il se distend, sans se rompre, sans se briser, ni se diviser, car l'un est l'indivisibilité en soi, non l'indivisibilité de l'être qui est rejeté, lui, dans le non-un, avec l'intellect, comme on l'a vu. C'est ainsi que le mouvement hypostatique n'est pas extatique, car l'un ne se sépare jamais de l'un, mais dans l'excès d'unité qui émane de lui, comme la lumière du soleil, il se retourne sur lui-même, dans le même mouvement par lequel il rayonne à partir de lui-même. À ce moment précis, je cite, « il est devenu regardant vers l'un, et ainsi, il est devenu intelligence, intellect, nous. L'un, en se manifestant, se distend, ou se dilate, si l'on peut dire, tout en restant un. Lui seul émane. C'est pourquoi il se souvient de lui-même dans l'épanchement de sa puissance. Il retourne sur lui-même, se convertit, rentre en lui-même, reflue vers lui-même et se constitue intelligence de soi. » On ne se lasse pas de relire ce passage des Énéades, cité et traduit par André de Muralt, dans lequel Plotin livre sa vision grandiose de l'un. Retenons ce passage. Je cite « Comment tout procède-t-il de l'un simple ? Aucune diversité, aucun repli ne se manifeste en lui. Parce que rien n'était dans l'un. De l'un, tout procède, et afin que l'être soit, l'un n'est pas être, mais générateur de l'être. Et c'est là sa première génération. Car l'étant parfait, parce qu'il ne demande ni n'a besoin de rien, l'un a comme coulé par-dessus bord et son trop-plein a fait toute autre chose. Ce passage pourrait à lui seul éclairer toute l'histoire de la philosophie. Plotin dit que l'un est au-delà de l'être, que l'un n'est pas, il est tout parce que rien ne s'ajoute à lui, rien n'est en dehors de lui. Il est le rien. De l'un ne peut sortir que l'un. Mais Plotin ajoute, or l'un devenu s'est retourné vers lui-même, et il a été rempli de lui-même, et il est devenu regardant vers lui-même, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est devenu intelligence. D'une part donc, son arrêt en regard de l'un a fait l'être, d'autre part, sa contemplation tournée vers l'un
a fait l'intelligence. Puisque donc il s'est arrêté en regard de l'un afin de le voir, ensemble est né l'intelligence et l'être. L'un apparaît ici comme processus. Il procède de lui-même et se constitue selon une succession éternelle. Intelligence. Il se constitue donc comme intelligence et être, puis comme âme. L'auteur des Énéades saisit l'un comme ce qui devient absolument et coule par-dessus bord, mais sans déborder comme sortant d'un vase. Rien ne le contient. Ce serait poser deux premiers à l'origine. André Lemural souligne que Maître Eckhart a repris cette idée en recourant aux images du vase et du miroir. Rien ne limite l'un ni ne le retient. Il n'éprouve aucune envie. Et s'il coule, s'il est débordement, bouillonnement, bullitio, comme dit Eckhart, il demeure lui-même en lui-même. Il est pure puissance et pouvoir être soi, c'est-à-dire sans céder à la tentation de s'ajouter l'être en s'affirmant comme étant. L'un est au-delà de l'être, il n'est pas, et déploie toute son énergie dans le vide sans l'être. Là se trouve, pour Ralph, l'origine de la distinction entre une métaphysique de l'un et une métaphysique de l'être. L'un n'est pas. L'unité est saisie comme l'indivisibilité en soi, non comme l'indivisibilité de l'être. Tout ce qui se déploie comme le pouvoir être un, de l'un sans l'être, comme une puissance originaire qui est imitation de soi, pure immanence, donc une puissance formelle, comme le point, qui est puissance de toutes les figures géométriques chez Nicolas de Cuse. Le point pour Nicolas de Cuse, en se déplaçant, trace une ligne, laquelle en se déplaçant trace un triangle, lequel en se déplaçant trace un cercle, qui en se déplaçant trace une sphère. Le point qui se déplace à une vitesse infinie est à la fois partout et nulle part. Donc, il faut bien insister sur ce vide de l'unité conçu comme indivisibilité en soi et non comme indivisibilité de l'être. La métaphysique de l'un renvoie à la causalité exemplaire ou finale, non à la causalité efficiente, car rien n'est posé dans l'être, hors de l'un. Tout est à l'image de l'un sans l'être. La multiplicité n'est que reflet de reflet, jeu de miroir où le même se répète. De l'un ne procède que l'un. Il ne saurait y avoir de création ex nihilo, mais seulement une émanation in nihilo. L'image du soleil et de la lumière manifeste suffisamment que le soleil est sa lumière. La lumière ne s'ajoute pas du dehors comme si elle jouissait d'une subsistance propre. Je cite « La lumière du soleil, on ne saurait accorder qu'elle l'est en elle-même autour de lui, s'étant élancée hors de lui et demeurant autour de lui. » Fin de citation. De même, l'un est son rayonnement, son propre devenir. Il est puissance en acte. L'acte de rayonner et de déborder est la manifestation de sa puissance, qui, comme on l'a vu, est aussi celle de sa faiblesse. Rempli de lui-même, l'un est tout parce qu'il ne peut être plus un. Il se distend donc, comme je l'ai dit, sans se rompre. Cette analyse de Plotin par André de Murat se prolonge par une analyse de la pensée de Nicolas de Cuse, que je ne peux pas ici, étant donné le manque de temps, car je ne sais pas combien de temps il me manque. Il me manque encore une demi-heure. Non. Ah bon. J'étais vraiment. Bon, très bien. Donc alors. Voilà. Donc je vais terminer sur comment cette étude de la métaphysique néoplatonicienne de l'un et en particulier de celle de Plotin et de Nicolas de Cuse. André Lemural passe à la nécessité d'en venir à une métaphysique de l'être. Les difficultés rencontrées par les métaphysiques de l'un pour affirmer le statut de l'être créé
disparaissent, vous vous souvenez, nous avons parlé d'une création in nihilo, les difficultés disparaissent dans la métaphysique aristotélicienne et thomiste de l'essai, l'essai ipsum, si l'on veut. Participation et causalité sont les notions fondamentales de cette vision de sagesse qui saisit, grâce à l'analogie de l'être, un être qui, sans être cause de soi, est cause et modèle de tout étant. Tout n'est pas le même, tout n'est pas un. Participation fonde et cause l'autonomie dans l'être de tout étant en tant qu'effet de l'acte créateur, en tant qu'effet d'une cause efficiente. C'est là une différence essentielle entre la conception des métaphysiques platoniciennes et néoplatoniciennes. De là, les choses, je cite, écrit André de Murat, étant causées dans leur être, telles que l'essence le détermine par leur cause, dans leur essai simplicitaire par le créateur, elles sont des êtres causés, autonomes et créés, subsistants. Proprie vero creata sunt subsistentia. Elles participent en tant que telles de leur cause, et en particulier de leur cause divine, efficiente. Elles n'ont pas pour être quiditatif leur similitude participative au divin, elles n'ont pas pour subsistance d'être l'un modifié, ni d'être Dieu dans rien. Elles sont des substances subsistant par soi, par création. Pour la métaphysique de l'être, l'un n'est pas l'indivisibilité, on l'a dit, en soi. Il désigne l'unité de l'être. C'est un transcendantal qui est convertible avec l'être. Il n'est pas au-delà, ce n'est pas un sur-transcendantal qui ne serait pas convertible avec l'être. L'un n'est pas au-delà de l'être. C'est l'être qui est un. Ainsi, l'essai ipsum per se subsistens est un parce qu'il l'est. Il n'est pas parce qu'il est un. Nous y avons insisté. L'ipsum esse n'est pas suspendu à une essence qui le rendrait possible. Rien ne le distingue de son essence parce que son essence est d'être. Il n'a pas à s'efforcer de rester présent à soi comme s'il était menacé de ne plus être tel l'unum in se, l'un en soi, l'indivisibilité en soi qui cesserait d'être un en s'auto-différenciant aussitôt qu'il s'intellige comme étant. Il n'a pas à se réapproprier après s'être perdu en se désappropriant, tel un roi dépossédé, forcé de mendier ce qui lui appartient en droit. Rien de plus éloigné de l'essai thomiste que l'idée spinoziste d'un conatus in suo esse perseverando, ou de la conception plotino-hegelienne d'un retour sur soi, ou de la volonté soucieuse de soi crispée, tournée vers soi, comme impossible à réaliser. L'ipsum esse n'est pas parce qu'il exercerait un pouvoir être face à la menace pesant exclusivement sur l'un de se perdre en se dispersant. Aucun moment kénotique ne nécessite un retour sur soi. Il n'a pas à s'efforcer d'être en courant après lui-même. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas ne pas être qu'il est. C'est parce qu'il est qu'il ne peut pas ne pas être. L'essai ne désigne aucun au-delà. Le bien, le vrai, le beau ne sont pas au-delà de l'être, comme si l'être pouvait être au-delà de lui-même. Tous les transcendantaux sont des propriétés de l'être et convertibles avec. C'est parce qu'il est, encore une fois, qu'il est un bon, vrai, beau. Toute la question de l'être rebondit alors au niveau des transcendantaux. Sans l'être, l'un, la chose, le bien, le vrai, le beau, si on veut l'ajouter aux transcendantaux, seraient des méta-transcendantaux, comme dit André de Murat, convertibles entre eux. L'un alors absorberait tous les autres transcendantaux, le bien, le bonum, comme ce qui unifie, en attirant tout à lui, la chose, la res, comme unifiant le concept, le vrai, le verum, en unifiant l'intellect, le beau, le pulcrum, comme harmonie des transcendantaux pris ensemble. Or, pour la métaphysique de l'essai ipsum, l'unité n'est pas l'unité de l'un en soi, logique, vide, conceptuelle, mais l'unité de l'être dont elle désigne l'indivisibilité. Le renversement de l'axiome, selon lequel c'est parce que l'être est qu'il est un, en, ce n'est pas parce qu'il est un qu'il est,
entraîné beaucoup de mésinterprétations et l'oubli de l'être, pour parler comme Heidegger, en tant qu'esse ipsum per se subsistens. Il s'en est suivi la réduction noétique de l'être à l'objet, à une pure construction de l'esprit, à une chose sans l'être qui deviendrait une pure production de la raison calculatrice avec l'évolution à l'ère technique. Si l'interprétation de Duns Scott et de Suarez sont très révélatrices de ce que veut dire André de Muralt, en affirmant finalement que l'agirer, on voudra, se substitue alors à l'être comme source du possible. L'agir précède l'être. Il désigne ce qui peut être réalisé. Il ne s'agit plus de l'esse ipsum en tant qu'acte pur d'être, mais de l'unum in se comme pouvoir du possible. L'acte d'être se confond avec le pouvoir être, avec une pure puissance d'agir. La métaphysique de l'esse ipsum se transgresse ainsi en méta-métaphysique, une métaphysique transcendantale non convertible avec l'être. Or, de l'un, il n'y a rien à dire, parce que l'un n'est pas. Il est indétermination pure. Le déterminer, c'est le nier, on se souvient, toute détermination est une négation. On voit tout ce qui caractérise la métaphysique de l'essai de l'être. Le primat de l'essai distingue le thomisme de la métaphysique des métatranscendentaux convertibles entre eux, non avec l'être. De l'ontologie qui réduit l'être à l'étant comme pensable, comme cogitabilé, on passe à l'énologie pour laquelle l'un est impensable. L'exigence métaphysique ne s'atteste plus que dans le silence apophatique, car nommer l'un, c'est vouloir nommer l'innommable, ce qui entraîne une herméneutique sans fin en vue de trouver un sens à une pensée sans contenu, à une essence sans être. N'étant pas science de l'étant en tant qu'il est, la métaphysique devient née science énologique, c'est-à-dire science de l'un en tant qu'un, autrement dit science de rien en tant que rien, docte ignorance, qui est savoir qu'on ne peut rien savoir, savoir d'un non-savoir. Pour terminer, je dirais ceci, la présentation des deux métaphysiques plotiniennes et cluséennes de l'un, qui représente le néoplatonisme, et la métaphysique aristotélicienne et thomiste de l'être, constitue un apport remarquable d'André de Muralt. Pour conclure, si l'on tient au mot métaphysique, il faudra donc que celle-ci ne se trompe pas d'objet. Rendre la métaphysique à elle-même, c'est lui restituer l'essai comme un objet propre. Pour être un et bon, il faut d'abord être. L'étant est. Et il est par la grâce d'un être dont l'essence est d'être et qui n'est pas l'être d'un étant composé d'être et d'essence. Que l'étant soit. Que celui qui est soit, mystère abyssal, mysterium tremendum fascinandum. L'être est. Il est impossible que l'être ne soit pas. Et ce n'est pas parce qu'il est possible qu'il est. Il est au-delà du possible et de l'impossible. Il est. Son essence est d'être. C'est tout ce que nous pouvons dire de lui. Mais il n'est pas parce que son essence est d'être. Son essence est d'être parce qu'il est. Nous nous émerveillons que l'être soit, et cependant il nous demeure impénétrable. Son essence est pour nous inconnaissable. Mais savoir que son essence est être est la cime du savoir. Si nous ne savons pas ce qu'il est, nous savons qu'il est, et qu'il est intelligible à lui-même, à défaut de l'être pour nous. Car aucun être n'est sans essence. Le non-savoir prend alors le sens positif d'une promesse, qui sera pleinement réalisé dans la vision béatifique où nous verrons l'être selon son essence. Sans essence, l'ipsum esse serait inintelligible à lui-même et donc imparfait. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'il est intelligible qu'il est, c'est parce qu'il est intelligible, parce que son être ne dépend pas de son essence. On ne peut pas dire qu'il en résulte comme étant autoconstitutif de soi et le réduire à la causa sui. L'essai n'est pas autoconstitutif de soi, cause de soi, parce que l'essai ne résulte pas d'un retour sur soi. Conçu de la sorte, il serait une pure illusion transcendantale, consistant à projeter sur l'essai la logique énologique,
La formulation la plus éclairée de cette logique a été donnée par Nicolas de Cuse, qui conçut l'un comme retour sur soi, tel un pli qui se déplie, explication, et se replie, complication. Et je vais terminer parce que je suis sous la surveillance de Guilhem. Donc, je termine ici donc pour montrer que une critique de qui serait une critique ontothéologique de la métaphysique parce qu'elle réduirait justement, elle manquerait justement l'objet de la métaphysique, cette critique tomberait elle-même sous le coup de l'authentique métaphysique de l'essai qui n'est pas parce qu'il est un, mais qui est un parce qu'il est. Je vous remercie de votre patience.